Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un petit pull bateau, voyez, avec un petit point fantaisie, deux petits boutons de chaque côté. Là, j'ai pas cousu la manche, c'est pour vous la montrer comment la monter. Donc, c'est de 5 à 6 selon l'enfant. Donc j'ai pris un crochet 4, car la laine c'est du 3,5 ou 4, j'ai pris un crochet 4. C'est de la laine cheval blanc et pingouin. Elles se tricotent toutes les deux avec le même crochet, du 3,5 à 4. Donc, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, il va rester à peu près ça de laine. Comptez 5 boules. Donc, la taille, je l'ai dit, les pelotes, là, je crochet 4. Voilà, j'ai mis deux petits boutons ici. Là, c'est l'ouverture pour passer la tête. Si vous voulez, vous rajoutez une capuche. C'est tout simple. Si vous en voulez, vous marquez dans les coms. Donc, je crois qu'on va commencer. On va commencer ici, par le bas, par les côtes. Donc, en montant une chaînette avec la couleur grise, une chaînette de 54 mailles, moi je fais un petit échantillon. Donc, zoomez un peu. Hop. Vous tournez la laine deux fois autour de vos deux doigts. Vous prenez le premier fil, vous allez chercher le deuxième et vous faites une boucle. Voilà. Vous allez monter 54 mailles. Vous passez comme ça en dessous. Vous faites un jeté, vous passez en dessous de la maille. Un jeté, vous passez en dessous de la maille. On se rejoint après. À tout de suite. Voici. J'ai fait ma petite chaînette. Je vais régler un peu. Vous avez 54 mailles. Donc le premier tour, vous faites un jeté. On va faire un tour de bride. Vous faites un jeté. Vous passez une maille. Vous allez dans la maille suivante et vous faites une bride. Dans la maille suivante, une bride. Un jeté, vous piquez dans la maille suivante, vous ramenez une boucle. Un jeté, vous prenez deux mailles, un jeté, vous prenez les deux sur le crochet. Un jeté, vous allez dans la maille suivante, vous ramenez le boucle, un jeté, vous prenez deux mailles, un jeté, vous prenez les deux sur le crochet. Vous faites des brides sur les 54 mailles. On se rejoint après. Voici, quand votre rangée est faite, moi c'est un échantillon, on va passer au deuxième tour en faisant deux mailles en l'air. On tourne son travail et ici on va faire deux rangées de brides en relief. Donc on va commencer par la première. On fait un jeté. Au lieu d'aller piquer dans la maille, on va enrouler la bride, vous voyez, et on va faire sa bride par derrière, c'est-à-dire côté table. Maintenant on va faire à l'avant, un jeté, on enroule à l'avant, comme ceci, et on fait sa bride à l'avant. Donc un jeté, on passe en dessous de la bride, un jeté, et on fait sa bride. 2, ajouter 2. Alors envers en droit, on va faire envers, l'enveloppe à l'envers, on fait ajouter en passant dessous de la bride, ajouter, vous prenez 2, ajouter 2. À l'endroit, ajouter, vous enroulez à l'endroit, ajouter, vous passez en dessous,
de la bride à jeter et vous faites votre bride. Cela vous fait ceci. Vous allez continuer jusqu'au bout et on se revoit pour le troisième tour. À tout de suite. Voici, nous arrivons à la fin. J'ai terminé par une bride à l'envers. Donc, on finit toujours par une bride tout simple à la fin. Donc, deux mailles en l'air et on va recommencer la même chose. Vous suivez les brides. Comme ici, c'est une bride en relief devant, vous la faites devant. Ensuite, à l'envers. Vous voyez, elle est renfoncée, donc on la prend à l'arrière et on fait sa bride à l'arrière. Donc, à l'avant, vous voyez, elle ressort bien. On l'enveloppe et on fait sa bride. Donc, envers, en droit, envers, en droit. Vous voyez, on commence à bien voir. Pendant que j'y suis, pendant que j'y pense, je vais vous donner les mesures du tricot. Ça aurait dû être fait avant. Je peux penser, excusez-moi. Donc, hauteur du tricot du cou jusqu'en bas. Je vais dézoomer un peu. Voilà, du cou jusqu'en bas des côtes. 35 cm. 35,5. La largeur du tricot, 30 cm. Largeur de la manche, 10 cm. J'ai pris à peu près le milieu. Et la longueur de la manche, 20 cm. Donc ici, pour passer sa tête, vous comptez d'un bouton à l'autre, 17 cm. Voilà, les mesures sont faites. Je vais continuer. On était arrivé à la deuxième rangée de côtes élastiques, de brides en relief. Et on continue. Une à l'envers, une à l'endroit. Et vous finissez le rang comme ceci. Une à l'envers, une à l'endroit. Et on se rejoint à la fin du rang. À tout de suite. Voici, je vais zoomer un peu. Voici, nous arrivons ici à la fin, comme je vous ai dit, j'ai terminé par une bride en relief à l'avant. On va faire à côté une bride tout simple. Voilà. Maintenant, on va couper le fil. On va changer, on va prendre du rouge. Donc, vous prenez le fil rouge. Vous rentrez dans la boucle grise. Vous tenez les deux petits bouts rouge et gris. Vous faites deux mailles en l'air. Vous tournez le travail. Vous tenez les petits fils. On peut les rentrer en crochetant. Je vais prendre mon ciseau. Car là, ils sont un peu longs. Donc, je vais les raccourcir. Voilà. Donc, deux mailles en l'air de rouge. On tient bien les deux petits fils. Et on va travailler en bride. Comme la première rangée de grises qu'on a faite. Donc, la maille suivante, une bride.
Vous rentrez bien, vous tenez bien les deux petits morceaux pour les rentrer. Je vais un peu. Voilà, ce sera mieux. Alors, à jeter. Vous voyez, je tiens dans mes mains les deux petits bouts. On va dans la bride, dans le point suivant, on y fait une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et si ça dépasse un peu les petits bouts, on peut couper un rang. Voilà, c'est plus propre. Donc vous continuez comme ceci. Dans chaque maille, vous faites une bride jusqu'au bout. Arrivé au bout, vous faites deux mailles coulées, deux mailles en l'air, pardon, et vous recommencez une rangée de brides rouges. Et on se revoit pour le gris. À tout de suite. Voici les deux rangées de rouges sont faites. Donc, on va prendre, on va changer de laine, on va prendre la grise. On la prend, on rentre dans la boucle rouge, on tient les deux petits morceaux et on fait deux mailles en l'air. On tourne son travail et on va, ça je vais les laisser parce que on va faire des brides en relief pour rentrer les fils. Ça va pas. Donc, deux mailles en l'air. Vous voyez ici la première bride. On y fait une bride en relief avant. Donc, qui dit avant, après, dit arrière. Arrière, avant. Arrière, arrière, avant. Voici ce que ça donne. Donc la laine grise est légèrement plus épaisse, mais vraiment léger, car on peut la tricoter avec le même crochet. Je l'ai fait exprès car le gris ressort du tricot. Ça fait un petit reflet. Donc vous voyez, on est arrivé à la troisième bande de gris. Donc, je vous montre le dos. On arrive ici. Je vais dézoomer un peu. Voilà. On arrive ici. On a fait ci. On a fait le rouge. On commence ici la troisième ligne. Donc, vous voyez, deux rangées à chaque fois. Ici, on est à la troisième ligne, troisième bande et la première ligne de gris. Vous allez en faire une deuxième et on passera au rouge. On se rejoint après. Quand vous allez faire une rangée de grises, la deuxième, comme on vient de faire, on se rejoint pour le rouge. À tout de suite. Voici. Nous avons fini les deux rangées de gris. Un petit peu. Voilà. Donc, on va passer au rouge. On tient les deux petits bouts. Et on fait deux mailles en l'air.
on tourne son travail. Là, on peut tenir les petits bouts roux, les petits bouts de laine. On les rétrécir un petit peu. Là. Donc, on a fait les deux rangées de côtes en relief. On va faire les deux rangées de brides simples. Donc, dans chaque maille, vous allez faire une bride, tout en rentrant les petits bouts de laine. Bien les tenir. Une bride. Dans la maille suivante, une bride. Sans oublier de rentrer les petits bouts. Une bride. Et vous allez continuer. Voilà. Les petits bouts sont rentrés. Ça dépasse un petit peu. Vous coupez. De toute façon, ça ne s'enlira pas. Donc, vous allez continuer en bride jusque la fin de la ligne. Et une deuxième, exactement comme ici qu'on a fait. On a fait les côtes ici, les deux rangées de brides, les côtes. Donc ici, c'est parti pour deux lignes de rouge. Et vous allez continuer comme ça tout le dos. C'est-à-dire les côtes, les deux lignes de rouge, les brides en relief. Et je vais vous dire combien de rangées qu'il faut faire. Je vais donc prendre le tricot. Le dos, le devant, c'est où qu'il y a les boutons. Et là, je vais dézoomer un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, le dos, on est ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On attaque le rouge là. Donc, je vais vous dire le nombre de lignes de rangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je recommence. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rangées en tout de gris et bleu. Donc, 18 rangées. Après que vous avez fini ça, vous faites le deuxième morceau de devant. Identique. 18 rangées aussi. Donc, on se reverra pour coudre les côtés, des emmanchures en bas, et ici, pareil. Donc, je vous laisse faire ça, et je vous dirai après comment laisser, combien de rangées pour laisser pour les emmanchures, et combien qu'il faut coudre. Je vous laisse faire, et on se revoit après. À tout de suite. Voici. Une fois fini les deux morceaux, je vais défaire les boutons, comme ceci, voilà, donc vous avez ceci, mais sans être cousu. Donc, pour coudre, il faut compter à partir du haut, voyez. Alors, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées, 8 rangées. 8, et vous cousez à partir de la 9e jusqu'en bas. Couleur gris, couleur rouge. De l'autre côté, pareil. Donc, je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangées que vous laissez, et vous cousez à partir de la 9e en rouge, gris, ainsi de suite, jusqu'en bas, pareil de l'autre côté. Ensuite, quand vous avez fait ça, pour les boutons, on verra après. Je vais vous montrer comment faire la manche. Pour la manche, vous allez monter couleur gris, 36 mailles. Donc, ce sera pareil des rayures. 36 mailles. Vous faites deux tours autour de votre doigt. Vous prenez le premier fil, vous allez chercher le deuxième, vous lâchez tout. Et vous avez
le nœud. Et vous montez 36 mailles. Et on se revoit après. Voici. Vous avez 36 mailles. J'ai fait un échantillon. Comme le dos et le devant, on va faire une rangée de brides. Donc un jeté, vous passez une maille, vous allez dans la seconde. Ça c'est pour commencer, après vous allez dans chaque maille. Donc la maille suivante, une bride. La maille suivante, une bride. Et vous allez jusqu'au bout du tour. Et on se rejoint après. Voici, nous sommes arrivés à la fin du rang. On fait deux mailles en l'air. On tourne son travail et on va commencer les côtes en relief. Donc, soit vous commencez par envers ou en droit. Je commence par envers. Donc, on enroule la bride à l'envers et on fait sa bride à l'envers. C'est comme le dos et le devant. Ensuite, on fait sa bride en relief à l'avant. À l'arrière. À l'avant. Et vous allez faire ça jusqu'au bout. Et au bout, vous ferez deux mailles en l'air et une deuxième rangée. Et on se rejoint après avec le rouge et les augmentations. À tout de suite. Voici la côte est faite. On va passer à la laine rouge. Donc on va prendre la laine et la mettre dans la boucle grise. Bien tenir les petits bouts de fil. Voilà. Deux, on va faire deux mailles en l'air. Ah, ça, c'est des petits bouts là. Deux mailles en l'air. Une, deux. On resserre les petits fils. On va tourner le travail. On va couper un peu les petits bouts. Hop, hop, voilà, donc, on a fait deux mailles en l'air, on prépare les petits bouts pour les rentrer, on va faire une bride dans la maille suivante, une, deux, et on va en faire une deuxième pour faire une augmentation dans le même trou. Voilà. Voilà une augmentation. On a fait ces deux mailles en l'air qui comptent pour une bride. On a fait une bride et une dans le même trou. Et on continue maintenant tout simplement en bride. Jusqu'au bout. Et je vous revois au bout pour l'augmentation ici. À tout de suite. Voici, nous arrivons à la fin de la ligne où qu'on doit faire l'augmentation. Donc, il reste deux points ici. Vous allez dans celui-ci, le premier. Vous faites une bride et une seconde dans le même trou. Comme ceci. Et vous faites une bride. La dernière. Faites deux mailles en l'air. Tournez le travail. Et vous refaites une rangée de brides. Cette fois-ci sans augmentation. Que des brides. Sans augmenter. Voilà. On se rejoint à la fin de la ligne. À tout de suite. Voilà, les deux lignes de roues sont faites. On va passer au gris.
Et qui dit gris, dit côte en relief. Les petits bouts, ceux-là, on les rentre après. On fait deux mailles en l'air. Une, deux. On tourne son travail et vous allez faire deux rangées de côtes en relief. Donc, une à l'envers. Une à l'endroit. Comme on a fait le dos, le devant. Sans augmentation. Donc je vous laisse faire les deux rangs de côtes en relief. Et on se revoit pour la rangée rouge. À tout de suite. Voici les deux lignes de gris sont faites. On va passer au rouge. Donc, deux mailles en l'air. Cette fois-ci, on ne fait pas d'augmentation. On va couper les petits bouts. Parce qu'il y en a trop. Voilà. On les tient. Et on refait des brides tout en rentrant les petits bouts. Donc une bride, une bride, deux brides. Et ouvre la partie pour faire deux rangées de brides rouges sans augmentation. Donc je vous laisse faire et on se revoit pour les côtes en relief en gris. À tout de suite. Voici les rangées faites. On va passer aux rangées grises. Donc deux mailles en l'air. On tourne le travail et on recommence une en relief à l'arrière, une bride en relief à l'avant, une à l'envers, une à l'endroit et vous en faites deux. Rangé comme ceci. Deux rangées de gris. Et on se revoit après pour la troisième rangée de rouge avec augmentation. À tout de suite. Voici les deux rangées de gris sont faites. On va passer au rouge avec les brides tout simples en faisant les augmentations. Une, deux mailles en l'air. On va égaliser ces petits fils pour les rentrer. Donc, on va dans la première maille, on fait le bride et une deuxième dans le même trou pour l'augmentation. Et on continue sa ligne dans chaque maille, comme ceci. Ensuite, vous allez faire une deuxième. Vous voyez, gris, rouge, gris, rouge, gris, rouge. Donc ici, on est à la troisième ligne rangée de rouge. Donc après, ce sera gris. Et pour pas perdre de temps, je vous dis, vous le marquez sur un papier si vous le retenez pas. À la cinquième rangée de rouge, faudra augmenter.
Donc ici, on a la troisième, on l'a augmentée, la quatrième, rouge, lent, et la cinquième, oui. Et il n'y aura plus d'augmentation au pressor. Et je vais vous dire la manche, combien de rangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est déjà ici. Donc après, la grise. Ici, augmenter. 1, 2, 3, 4. Alors, on est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est ici. Vous allez augmenter la prochaine à la quatrième rangée de rouge. Après gris et on termine par rouge. Donc, en tout, il faut, je vais dézoomer un peu. En tout, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangées. Si vous voulez plus long, vous faites une rangée, deux rangées de plus, gris. De toute façon, ça va suivre avec le tricot, que ce soit gris ou rouge. Vous voyez? La manche, une fois cousue, ça fera ça. Donc, je vous laisse finir la manche, puis une deuxième identique. Après, vous allez coudre la manche gris, rouge, gris, rouge, une couture. Regardez, on ne voit rien du tout. Et on se rejoint pour le montage des manches. À tout de suite. Voici la manche faite, la deuxième que j'avais déjà cousue. Donc je vais vous montrer comment la monter. Donc vous cherchez la couture de la manche. Vous ouvrez le tricot, vous défaisez les boutons, vous ouvrez le tricot, ici on les côtés devant. Vous prenez ici le creux aux emmanchures et vous posez la couture de la manche dessus. Couture sur couture. Je regarde bien là, ici. Prenez l'aiguille du fil. Hop. Et vous allez coudre. Bien costaud, parce que ici en dessous ça a tendance à se découdre. Donc, vous passez plusieurs fois dans le creux ici. Voilà. Donc, vous allez voir, on va tourner. Voici la manche. Là, on remet les boutons, c'est-à-dire ici et le deuxième, je vous montrerai après combien de centimètres qu'il faut pour les boutons. Voilà, il faut que ça se plie comme ceci. Donc cette manche ici, vous la partagez en deux. Donc c'est ici, vous ouvrez le bouton. Là, même pas, ça va être plus facile en laissant fermer. Voilà, vous prenez la moitié de la manche ici et vous allez jusqu'en haut ici et vous allez faire un petit point. Donc je vais couper là, comme ça c'est bien régulier. Vous cousez bien ici. On livre tout en haut où il y a les boutons, c'est-à-dire à la moitié. Donc voilà, encore un point pour que c'est costaud. Voici. Donc maintenant, vous voyez, on va coudre ce morceau ici. Côté table. Et après, on cousra ici, celui-là. Donc ici, on va coudre la moitié
où j'ai fait mon point ici et le point ici côté bouton. Donc, vous allez coudre, je vais couper ici, avant. Vous allez coudre ici, vous reprenez au creux et vous allez faire dans chaque maille, prendre les deux. Là, je vais rentrer le fil, je vais zoomer un peu, oh, peut-être mieux, voilà. Vous voyez, on rassemble les deux parties, le morceau de manche et le tricot, et on coud dans chaque maille, vous prenez une maille de la manche et une maille du tricot. Et vous rassemblez comme ceci. Voilà, bien serré, et vous allez jusqu'au point où j'ai fait au bouton. Je vous laisse coudre ceci et je vous montre après pour la deuxième partie. À tout de suite. Voici la première partie de la manche est cousue. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Vous voyez ? On va découdre cette fois-ci les boutons. Eh ben là là, le deuxième. Eh ben, voilà, on découvre le deuxième, vous voyez, on tourne le tricot, on va où qu'il y a le bouton, ici, on rassemble le gris. Oui. Voilà, on rassemble le gris. Petit fil là. Oh. Hop. On fait un petit point ici où il y a le gris. On retourne, c'est bon. Donc, on a cousu un petit point ici, en haut. On va coudre la deuxième partie. On retourne le tricot. Désolé un peu. Voilà. On retourne le tricot. Et on va coudre cette partie ici. De là au creux de la manche. On fait la même chose que qu'est-ce qu'on vient de faire ici. Comme ça, les deux côtés seront cousus. Donc, comme de l'autre côté, vous faites point par point. Tu peux, voilà. Faites point par point en rassemblant les deux. Et vous continuez jusqu'ici, en dessous des bras. À tout de suite. Voici. La manche est cousue. La deuxième, pareil. Vous voyez, les deux petits boutons sont ici et ici. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, les petits boutons vont être sur les épaules. Donc on ne peut pas les voir de devant et les deux ici. Comme ceci. Donc, pour les boutons, je vais vous montrer, c'est simple. Vous enlevez un, j'en enlève deux. Ils se mettent côté devant. Et on les emboutonne avec la bordure de derrière du dos. Donc, pour les boutons, je vais prendre mon mètre. Donc là, vous allez compter une, deux, trois brides. Vous allez coudre le premier à la troisième bride.
Et le deuxième, une, deux, trois, quatre, cinq, six, à la septième bride. En tout, le premier, entre le premier et le deuxième, il y a 4 centuvettes. Donc là, vous laissez 2 à 3 brides, vous cousez le premier, 4 centimètres, et vous cousez le deuxième. Vous faites le même de l'autre côté. Je raboutonne ça. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que vous allez être contente. N'hésitez pas à me mettre des coms, des j'aime et pourquoi pas vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.